Salut à tous pour la partie 21. Allez, go. Perds pas de temps à faire les prononciations. Qu'est-ce que je dis? Les présentations. Petit peu de lecture. Les ténèbres se précipitèrent. Non, j'ai pas envie de savoir. J'ai lu Ravisseur. Je vais me battre contre le Ravisseur. C'est la fin du jeu, ça y est? Non. Si? Cool. Voilà. Allez, que ça arrive. Point de contrôle. Ça sent la baston. Ah, sacré jeu. Tractopelle de malheur. Tu me poursuis. Il me poursuit. Il me poursuit. Trouve un. Wouh! Waouh! Waouh! Là, c'est un véhicule. Connard. Ça, c'est un véhicule, ça. Allez, vite. Vite, vite, vite. Vite. Tenez-vous à l'écart, vous les ennemis. Non, non. Ah, je pensais que je pouvais rentrer dedans, moi, une fois qu'il était mort. Laissez ma vie remonter. Restez à l'écart. Voilà. Non. Y'a pas de radar. Je sais jamais quand il m'attaque. En fait, vous voyez, je pensais que quand j'aurais annihilé les ténèbres autour du tractopelle, eh ben, je pourrais le prendre. Ça s'appelle un tractopelle, c'est ça, non? Ouais, je ne sais pas. Ça tracte une pelle, quoi. S'il y a un petit peu de logique là-dedans, ça doit être ça, parce qu'il y a une genre de grande pelle, et ça la tracte. Voilà. J'en déblatère des conneries. Hein. Mais c'est pour votre petit plaisir. Encore un bouton. Pile au lithium. Il m'équipe beaucoup trop, je trouve. Bah, là voilà la voiture. On est parti pour quelques séances de drive. D'ailleurs, vous, quand vous allez au fast-food, vous y allez au drive? Voilà, super question. Où est-ce qu'on va aller? Moi, le drive, je m'amusais à y aller le soir bourré quand je rentrais, quand c'était encore ouvert, parce qu'il y a des McDo qui restent ouverts plus tard que d'autres. À pied, des fois, t'en avais des cons qui disaient non, t'as pas être à pied, alors on devait aller voler des vélos pour revenir avec des vélos. Mais j'étais con. Hein. Bright Falls. Est-ce que j'utilise maintenant? Non, je vais fouiller une petite dernière fois. Là, je peux pas rentrer là. Non, la porte est beaucoup plus grande que moi. Hein. Je sais pas si c'est un problème de proportion. Si, c'est un problème de proportion, je vois quoi que. C'est quoi ces buildings là? Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? Voilà. Light and power. C'est marrant parce que c'est bright, genre l'éclairage, light. Le lever du soleil ne m'avait jamais paru si beau. J'avais quelques heures devant moi pour me rendre à la mine. La mine de charbon n'était plus loin. La journée. Enfin. J'irai voir le ravisseur et il me rendrait Alice. Je ne lui laisserai pas d'autre choix. J'étais prêt à tout pour la sauver. Ah. C'est vachement bien parce que ça joue vachement sur les tensions, tout ça. Parce que là, maintenant, regardez, il fait jour. Ouh, on peut souffler un petit coup. On est soulagé. On inspire, on respire. On inspire, on respire. Ça fait rire tout le monde, mais c'est vrai que dans un jeu vidéo, quand on se déplace de base, on est toujours en train de courir. Alors que dans la vraie vie, j'en connais pas beaucoup qui courent de base en se déplaçant. Après, c'est vrai que si dans un jeu, on devait être comme ça, ce serait un petit peu chiant. Salut. La 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 la, yo sole mio. C'est beau quand même. Là, vous êtes allé au ski, vous, pendant les vacances? Moi non, je sais pas ce qui est. Vous voulez pas m'apprendre? Cette fois où j'ai skié, j'ai très mal fini. Un putain de moniteur qui est venu me voir et qui me fait « Mais tu sais skier ?» Comme j'ai eu un peu la quinte, parce que j'étais par terre, pété en deux. J'ai répondu oui, d'un air méchant.
Puis j'ai vu des petits enfants me doubler violemment, j'étais énervé et je suis descendu à pied de la piste. Ah. Bref, c'est l'histoire de ma vie. On va être dans une mine. Super. Genre, j'avais besoin d'un délire claustro, moi. Le jeu, il me rend déjà assez fou comme ça. Est-ce que c'est la dernière zone, la mine? Non, je veux pas conduire ça, moi. Moi, je veux conduire ça. Allez, go. Il peut pas avoir d'ennemis à cette heure-ci. On sait jamais ce qu'il fait la journée, mais non, on n'est pas souvent au courant. Parce qu'au final, les phases de jour, elles durent 2 minutes. Ça se conduit pas trop mal, hein. Un petit peu. Ouais, si, non, c'est quand même moins fluide que pourrait l'être un GTA ou quoi. Parce que c'est vrai que GTA, c'est un truc qui est marrant, c'est qu'ils font des efforts un peu sur tout, quoi. Sur la conduite, la fusillade, l'immersion, le scénario. Rockstar, je les respecte énormément pour tous ces jeux. Il y a des trucs cachés en haut, je le sens. Désolé, hein, je fais perdre du temps, mais. Ouais, ils font des efforts sur tout. T'as des bons scénarios, je me répète. Il y a juste les multijoueurs. Honnêtement, Red Dead Redemption, ils avaient prévu des super trucs, mais il y a plein de petits détails à la con qui faisaient que c'était pas bon. Bah, moi, je trouvais. Parce qu'entre le fait que les gens puissent servir de la visée automatique, ok, certes, tu pouvais aller dans des zones spéciales, tout ça, mais moi, j'aime pas. En fait, ce que je déteste, il y a plein de voitures. Ce que je déteste dans ces jeux-là, dans tous les jeux d'ailleurs, parce que moi, je suis un vieux de la vieille. Moi, les jeux que je kiffais, c'était à l'époque, c'était Socom US Navy SEAL sur PlayStation ou Counter-Strike, tout ça. Donc, moi, ce que j'aime déjà, c'est pas de réapparition. On meurt, on est mort. Ça force les gens à jouer un petit peu intelligemment. Aïe. Ouais, je suis part du mauvais côté. Pas de réanimation et surtout pas de carte qui indique où sont les ennemis, quoi. Ça casse tout. Quel intérêt? Les killcams aussi, c'est débile les killcams. Ok, c'est rigolo de voir comment l'autre nous a tués, mais c'est nul. C'est toi si t'as trouvé un bon petit coin, pas forcément pour camper, mais voilà, on trouve toujours nos petits coins nous pour attendre de petites minutes et après on repart. Et ça bousille tout, les gens savent exactement où on est. S'il y a une défense de position, bah, forcément on est obligé de rester au même point des fois, c'est ça qui m'énerve dans tous les nouveaux jeux. Mais surtout les maps, que tu puisses voir où sont les ennemis, ça c'est un truc, ça m'hallucine quoi. C'est un truc que je supporte pas, ça perd tout l'intérêt quoi. À l'époque, ce com c'était fallait être repéré au bruit. c'est ça? Je sais pas du tout où je dois aller. tout droit, non, je veux pas m'amuser à tout fouiller, mais au final, je peux visiter tout Brightfall là si je veux. Hein? Répondez-moi. D'avoir plein de trucs cachés là, regardez, j'ose pas le faire, mais je devrais. Waouh, waouh, waouh! Falls Mine, c'est là. Bright Coal. Petit jeu de mots. Gauche ou droite? Droite. Attendez, visiteur, ouais, moi je suis un visiteur. J'étais en avance. J'avais rendez-vous avec le ravisseur à midi dans le bâtiment principal. La mine était déserte. C'était un musée. Putain. À midi. Ah, oh, il me tarde là. Mais je pense que ça va pas se finir là, c'est obligé. On arrive près d'une mine, c'est pas juste pour rejoindre un mec et que je finisse, vous voyez, voir. Il y aura des trucs. Voilà. Faites pause, hein, je vous dis. Quand il y a des trucs à lire, faites pause direct. Comptez pas sur moi pour tout lire. Ah non, il y a une hache, là. C'est bien ça. Bon, une page. Un tractopelle qui va encore vouloir me défoncer la gueule. Je commence à avoir l'habitude. Cordialement. Non, je ne regarde pas. Je vous ai dit, faites pause. Alors, on va aller là. C'est un jeu à ambiance. Qu'est-ce qu'il me fallait de moins, de plus, moins, de plus ou moins quoi. Je ne voulais pas sortir. Les flics devaient me chercher. Le soleil de midi faisait de l'endroit un vrai sauna. La journée s'éternisa. Divers scénarios me traversaient l'esprit. La façon dont j'allais torturer le ravisseur pour récupérer Alice. Et les choses horribles qu'il avait pu lui infliger, je l'imaginais morte. Je n'avais aucun moyen de savoir si elle était en vie. J'en étais malade. C'était l'espoir qui me faisait avancer. Ce ne fut qu'une perte de temps. Le fumier ne vint pas au rendez-vous. Quel salaud! Est-ce que vous êtes? Changement de programme.
chemin partant de la mine. Vous pourrez pas la rater. Vous attendrez au poste d'observation. J'en ai assez de me faire trimballer comme ça. Vous pourrez revoir votre femme vivante. Dans ce cas, vous avez intérêt à changer de ton avec moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, monsieur. Bon, on peut définitivement pas passer par là. Ouais, t'inquiète pas, on va le tuer. Je devais me rendre à Mirandique. Eh ouais, on doit se rendre. On doit tout... Ah! Et non, ça recommence. Je hais ce jeu. C'était proche. Peut-être plus proche que jamais. Oh non, c'est encore le tractopelle là qui a foncé? Et je sais pas du tout par où je pars. Désolé les gens. Ah ok, la porte est fermée. Et moi je on s'en fout de moi. On s'en fout. Voilà, moi je peux rien faire, c'est normal. C'est cool. Oh non. Pourquoi c'est toujours moi qui me fais avoir? Voilà. Ça se trouve j'ai utilisé un bug du jeu, normalement je pouvais pas passer. Je viens de changer tout. Tout le déroulement des scripts. L'équipement un petit peu là. Non, pas besoin de piles. Thermos. J'ai pas fait gaffe ce qu'on débloquait après. Sûrement des trucs. Sûrement des... Eh merde, c'est vrai que j'ai le rire de Butthead. Arrosoir. Go. Here comes nothing. Juste marqué attention en gros et c'est rouge. Symbolique du sang, attention, une chute, on pourra plus remonter. C'est un engagement, c'est le mariage. Pour ceux qui regardent Catherine avec moi. Alors avant que ça n'aille trop loin là dans le flip. Et merde, je viens de perdre un écouteur. Je vous laisse. Je vous dis à plus pour la partie suivante qui sera la partie 22 les amis. N'hésitez pas à montrer que vous m'aimez. Parce que moi je vous ferai du thé au chocolat avec des myrtilles dedans. Tchou!